Alors, on me demande souvent le setup de mon installation. Donc là, je suis en JN41JU, donc en Corse, pas très loin de Porticcio. Je suis en train de faire un peu d'FT4 sur 14 mégas. Donc le PC, c'est un vieux X230 sous Linux, qui est raccordé ici à un ICOM IC705 qui délivre actuellement 2,5 watts. Avec une petite boîte d'accord, la boîte d'accord étant une MFJ, très vieille MFJ, le tout relié donc par un bout de coax à la Magic Antenna. Donc ici, hop, on va essayer de trouver un endroit, c'est à peu près net. Là c'est juste une connexion pour les contrepoints, hein, l'arrivée en coaxiale. L'antenne en question, je ne sais pas si on va bien voir, donc c'est une M0 CVO antenna, dite la Magic Antenna, suspendue ici par des sandoves, hein, juste pour la dégager un peu. Je l'ai vraiment tendue à l'arrache, hein. En même temps vous en profiterez, vous verrez le beau paysage qui a vu. Hop, antenne. Je continue, hein. Donc, c'est presque 8 mètres de mémoire, un bout de cordage. Voilà, pour la station portable en JN41JU. Je vous montre quand même ainsi un peu le paysage. Vous comprendrez peut-être pourquoi je suis venu faire du portable ici. Petite baie bien sympathique, pas trop peuplée à cette époque de l'année. Avec une vue assez jolie. Tout dans une pinède classique. Voilà, à bientôt! Bien le bonjour, voici donc la nouvelle vidéo du jour sur la nouvelle installation. Je suis toujours le même QTH, hein, 11JN41JU. Donc toujours mon petit PC sous Linux là, mon petit X230. Le même émetteur récepteur, toujours l'ICOM IC705. Avec ce coup-ci, j'étais obligé de remettre une tresse de masse à la terre, comme m'a dit la boutique Passion Radio. Effectivement, ça résout mes problèmes de perturbation. Au niveau de l'antenne, j'ai un peu changé ce coup-ci. Je suis passé sur la HF Pro 2T+ de chez Communica, qui, comme hier, a réglé sur 20 mètres. Le trépied est un trépied canne à pêche de chez Decathlon à une quinzaine d'euros à l'époque. Bon, honnêtement, qui est très très mal fini. Et donc voilà pour l'installation, donc pas de boîte d'accord, l'antenne s'accorde bien en natif. J'ai fait un premier accord avec un Nano VNA de la même boutique. Voilà, je vous fais le tour de l'antenne, donc j'ai deux radians qui sont plus ou moins taillés pour du 20 mètres au maximum, et puis après par des petits connecteurs de type Wago. Hop là, je les raccourcis ou je les augmente en longueur. Remonte l'antenne. Je vais vous ramener, vous montrer la station, puis je vous montrerai le point de vue après aussi, qui est toujours aussi joli. Donc là, 705 en émission. J'ai les QSO qui s'enchaînent un peu, toujours à 2,5 watts. Hein. Faut pas gâcher, ça permet d'avoir la batterie de l'émetteur récepteur qui dure un peu plus longtemps. Maintenant, je vous emmène avec moi tout doucement profiter du soleil corse et de la plage. Toujours la même vue, hein. C'est magnifique. J'essaye de ne pas tomber en allant au plus près possible. Je suis désolé pour le vent, hein. Ça va faire un peu de bruit. De protéger un peu le micro, mais voilà la vue. Les copains me demandent pourquoi j'aime un peu faire ces activations portables, même si je trafique une heure ou deux. Et ben, quand je suis en vacances ici, c'est pour ça. À bientôt.
Voilà, petite vidéo du soir avec une installation radio plutôt précaire. Hein. Donc, toujours la même chose. La 705 de chez Icom. Le petit IBM portable en X230 sous Linux. Ce soir, par contre, j'utilise ma petite tablette arrière décorée par Onirg, que je salue bien au passage. Côté antenne, j'utilise toujours la Communica, mais ce coup-ci en version tripode avec ajout d'une plaque magnétique sur le toit de la voiture. Hop, on voit la plaque ici. Je remets dans le coffre. Petit tabouret pliable, très pratique. Je vous remonte la voiture et je vous montre un peu le paysage parce que c'est quand même beau de faire de la radio dans ces conditions. Voilà, c'est joli, hein, le golf avec Ajaccio de l'autre côté. Je vous ramène une dernière fois sur la station, donc juste pour information, je suis quand même assez content de moi parce que malgré des conditions qui sont vraiment pas faites pour faire vraiment des choses phénoménales. Hein. Premier contact que j'établis tout à l'heure en testant la station, c'était le Brésil. Avec 2,5 watts. Je suis assez content de moi finalement. 2,5 watts pour le Brésil, c'est pas mal. Bonne soirée.